Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Bonne. En dessous de cette vidéo, surtout, abonnez, cliquez sur abonnez pour activer la cloche, d'abord manquer tout simplement nos prochaines vidéos et tout ce que je vais faire dedans. C'est facile. En dessous de cette vidéo, surtout, toutes les informations qu'il faut pour faire des dons. Vous pouvez faire des dons via Western Union ou PayPal. Merci les amis. Dessin animé satanique décryptage. Dessin animé satanique décryptage. Qu'est-ce que c'est qu'un dessin animé satanique? D'abord, à qui est destiné les dessins animés? La cible, ce sont les enfants. Est-ce que vous voyez? Comme cet enfant qui vient de passer. C'est ça la cible. Ça veut dire nos enfants. Nos enfants. C'est ça la cible. Maintenant, quand on dit dessin animé satanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est destiné à nos enfants, ce que les enfants, nos enfants doivent regarder là. Le diable est décidé de venir maintenant l'intoxiquer de sorte de pouvoir faire quoi? De pouvoir faire quoi? Initier nos enfants à quoi? Je le comprends tout de suite. À l'occultisme ou encore à la sorcellerie ou encore à la magie ou encore à quoi? Vous allez comprendre ici, même à la masturbation. Dessin animé satanique. Ah, papa, maman, enfant. Faisons tous attention. Même toi, mes grands frères. Toi, tes grands frères, ton enfant là. Ton petit frère là. Pour lui donner le vrai conseil. Toi-même là, il faut regarder aussi les dessins animés là pour voir. Si le dessin animé que ton enfant regarde là, c'est une bonne chose. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Regarde, il faut bien regarder d'abord. Parce que le diable est assis là-bas. Ça veut dire que toi-même là, tes parents, toi-même tes frères, toi-même tes papas, tes mamans là, tu dois d'abord être informé de tout ce qui, de toutes ces choses. Qu'est-ce que c'est que l'occultisme? Qu'est-ce que c'est que le satanisme? Tu vas dire, oh, je ne suis pas concerné par ces choses. Mais quand le diable décide d'introduire de tels symboles dans les dessins animés, il va initier tes enfants et ça sera un danger pour toi, papa, ça sera un danger pour toi, maman, pour toi, mon frère, danger pour la famille entière même. Voici comment le diable s'y prend. Voici le décryptage. Voici comment vous allez détecter et découvrir facilement cela. En général, quand on regarde les dessins animés, là, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas des personnes physiques. Ce sont plutôt des personnages animés là, ou encore des dessins. Mais quand on regarde en profondeur, là, on détecte des symboles occultes comme un œil fermé. Allez sur Google, cherchez symbole satanique, ou bien allez sur Nyance Rubon, dans la partie recherche de YouTube, là, dans Nyance Rubon, sur la chaîne de Nyance Rubon, cherchez symbole occulte, ou encore symbole satanique. Vous allez trouver certains éléments qu'on a travaillé déjà dans la vidéo précédente. Mais les symboles là, qu'on peut retrouver généralement là, c'est un triangle comme ça. Vous allez voir un triangle avec du genre comme le soleil autour, genre un truc qui monte la lumière autour, et un œil au milieu. Mais vous allez voir carrément un œil fermé. Ou même vous allez voir dans le dessin animé là, un personnage qui a seulement un œil ici. Il n'a que un œil. Il n'a pas deux yeux comme ça, il a un œil. Ou bien vous allez voir un personnage qui a trois yeux. Il a un, deux et il a troisième. Toutes ces choses que vous voyez là, vous vous dites que non, ce sont des trucs. Ah! Tu dis que c'est simple. Ce sont des symboles occultes. Le diable a travaillé ça d'une manière, de sorte qu'on puisse l'adapter à qui? Aux enfants et les intoxiquer. Toi, papa, quand tu vas voir ça là, tu n'as même pas informé que ces choses existent. Comment tu vas savoir que c'est un danger pour ton enfant? Aujourd'hui là, réveille-toi. Réveille-toi aujourd'hui, Dieu te parle. Et quand l'enfant rentre en contact de telles choses, vous savez ce qui se passe? Le diable lui-même voit directement l'enfant depuis votre maison. Il le voit directement. Votre enfant devient comment? Une cible. Ça, ce n'est pas encore fini. Quand vous allez regarder, souvent dans les dessins animés, là, on parle en général de quoi? La magie. La magie, là, c'est quoi? La magie, c'est une branche occulte. Ça dit, ça vient de Satan lui-même, Lucifer. Et la magie, là, le magicien, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices humains.
Et on parle de magie généralement dans ces dessins animés. Ça veut dire qu'on apprend vos enfants à faire de la sorcellerie sur votre dos. Et l'enfant aura tendance à apprécier tout ce qu'on appelle les baguettes magiques. Alors que les baguettes magiques, là, c'est démoniaque. C'est comme si on pourrait dire que ce sont des instruments du diable ou les instruments du magicien. Si le magicien doit faire des sacrifices humains pour avoir des baguettes magiques, qu'est-ce que ton enfant va avoir comme bénéfice dans ça? Mes frères et sœurs, c'est un danger. Si on ne vous en parle pas, vous allez dire qu'on ne vous a pas parlé. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce dont nous allons dire ici, là, le mot qu'on va dire, ça vous réveille les yeux même. Les dessins animés que vous regardez vous-même et vous voyez quoi? Des sirènes. C'est quoi une sirène? L'enfant commence à apprécier les sirènes. Les sirènes. C'est quoi une sirène? C'est un démon. Une sirène, c'est un démon. Et l'enfant pense que la sirène, c'est une créature comme toutes les autres créatures. Il ne peut même pas s'imaginer que la sirène, c'est un démon. Et il va commencer à aimer la sirène. Voilà. À partir du moment où l'enfant commence à s'affectionner à de tels symboles occultes, ou encore aimer des sirènes, ou encore aimer les baguettes magiques, là, il ouvre grandement une porte au diable de pouvoir entrer chez lui et l'initier facilement. Voici comment ça se passe. Décryptage. Aujourd'hui, là, vous avez ces choses. Vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas en parlé. Vous n'avez pas dit qu'on ne vous a pas parlé, on ne vous a pas prévenu que ces choses sont réelles. Jésus est Seigneur. Dieu veut vous réveiller aujourd'hui. Dieu veut sauver vos enfants. Dieu veut sauver des familles. Parce que si votre enfant est initié par le diable, tout sauf ça, quand un enfant est dans le monde de la sorcellerie, son pouvoir est multiplié par deux. Hein, c'est dangereux. Et puis même vous-même, là, vous ne pouvez même pas vous imaginer que votre enfant peut être sorcier. Le diable initie les enfants maintenant au travers de quoi? L'occultisme. Et il y a une vidéo qui va venir d'un ex-sataniste. Cette vidéo sera disponible sur Nyan Srubon le jeudi prochain. Cette vidéo-là, c'est la vidéo d'un ex-sataniste qui nous explique en détail tout ça. Ah, quand un ex-sataniste ouvre la bouche pour vous raconter ces choses, là, ça fait de plus en plus peur. Soyez prêts pour cette vidéo qui paraîtra le jeudi. Ça veut dire que nous vous donnons rendez-vous le jeudi prochain. Après cette vidéo, à côté de cette date, le jeudi qui vient. Aujourd'hui, c'est quand? Aujourd'hui, c'est mardi. Mercredi, jeudi, soyez prêts. Soyez prêts! Vous aurez toutes les informations qu'il vous faut pour les prochaines vidéos. Nous avons parlé de musique chrétienne satanique. Jetez un coup d'œil là-dessus. Sur Nyan Srubon. Toutes ces informations sont là, rien que pour vous. Attention! Attention! Dessin animé satanique. Décryptage, ce n'est que la première partie. Sinon, serait bon. Préparez-vous pour la prochaine partie qui va venir bientôt. À bientôt. Merci à tous ceux qui feront des dons. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne pas manquer les vidéos qui vont venir. Et à bientôt pour la prochaine vidéo sur Sinon, serait bon. Que Jésus vous garde et qu'il vous bénisse. Waouh. Pour toujours nos enfants.